Coucou, bonsoir, bonsoir famille, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Nous ici, ça va, tout va bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit soin pour tout le corps, visage et corps. Ça sera un gommage en même temps masque. Donc, une recette vraiment très, 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 très simple à réaliser et super efficace. Donc, pour faire notre produit, on aura besoin du lait, de la poudre de riz, de la poudre d'orange, de la mâte café et du miel. Donc voilà, voilà famille. On va commencer par mettre une cuillère à café de miel. Vraiment très simple à faire et efficace. 2 cuillères de lait, 2 cuillères à café. Le lait, vous allez rajouter au fur et à mesure. Ensuite, 1 cuillère à café de poudre d'orange, 1 cuillère à café de farine de riz. Et ensuite, on va rajouter notre mât de café. Donc, vous voyez, famille, voilà notre recette. C'est vraiment très, très simple à faire, mais efficace. Un soin à faire 2 fois par semaine. 1 à 2 fois par semaine. Si vous n'avez pas le temps, 1 fois, c'est très bien. Sinon, 2 fois par semaine. Là, je vais rajouter encore 1 cuillère à café de lait. Je rajoute vraiment au fur et à mesure. Là, je ne vais pas mettre d'huile parce que je vais en soin matifiant. Donc, déjà, le miel, il va hydrater la peau. Donc, je ne vais pas rajouter d'huile. Parce que je vais un soin qui va matifier ma peau. Donc, voilà la famille. Notre soin est terminé. Hein. C'est fini pour aujourd'hui. Désolée famille, si vous ne me voyez pas en ce moment, mais c'est que c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on ne se voit pas assez souvent. Mais j'espère que tout ira mieux. Je ne suis pas malade, tout va bien par la grâce de Dieu, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Donc voilà, voilà famille. Bon, il est 19h moins. Là, je vous ai montré pour moi. Je vais faire pour moi. Oh, donc vous aussi, faites pour vous à la maison. Et puis on se revoit très très bientôt famille. D'ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien et on se revoit très bientôt. Bisous.